Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois, ça va être une toute petite vidéo, histoire de passer quelques instants avec vous. Ça va plutôt être une vidéo haul. Bon, j'ai pas craqué mon slip comme dirait Laurine. Non, c'est pas Laurine d'ailleurs, je crois que je t'ai accusé pour rien, je crois que c'est Clio Colo. Bref, il y a une des filles qui craque son slip quand elle achète des choses, donc moi je n'ai pas craqué mon slip, mais j'ai encore fait quelques achats que je voulais vous présenter. Donc je me suis dit, je vais pas la mettre avec ma vidéo des colos terminés parce que ça va faire beaucoup trop long après si je mets avec cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou et comme ça vous avez une petite vidéo présentation de différents achats. Alors j'ai reçu, je les ai reçus tout à l'heure, j'ai acquis, donc je les ai eus sur Amazon, je me souviens plus du prix par contre, les hybrides dual métallique. Tout le monde en dit du bien, et moi mes coloriages je trouve qu'ils sont pas assez brillants. Donc, du coup, j'ai décidé, voilà, de me prendre une petite sélection de coloria. Non, mais je suis grave, hein. Je suis grave. Je viens de parler de coloria, donc je dis coloria. N'importe quoi. Donc, de dual hybride métallique. Donc, je vais pouvoir tester ça pour voir comment ils sont. D'ailleurs, j'ai envie de les regarder de suite. Ah, la couleur. Alors par contre la luminosité dans cette salle de jeu est pas terrible, mais qu'est-ce que c'est beau. Attendez, est-ce que vous allez voir? Vous voyez un peu là? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là on voit mieux. C'est super beau. Ah ouais, au niveau des... Ça c'est du rouge, alors c'est du quoi? Ouais, ça fait un rouge un peu. Oh, quelle beauté de... Oh, ça fait un bleu turquoise un peu. Oh là là, ils sont sublimes. Oh, je les essaye tous. C'était pas prévu, mais franchement... Oh, trop beau. Vous êtes peut-être un peu loin, parce que comme je vais avec ce téléphone, là, je peux pas zoomer. Peut-être qu'en faisant le montage, je pourrais vous zoomer un peu. Vous voyez mieux. Vous savez, quand je suis dans ce bureau, la lumière est pas terrible et en plus j'ai pas mon dessous parce qu'il est installé sur la table parce qu'il m'attend pour colorier. Donc là on est le 1er décembre aujourd'hui, donc je vais commencer le... Oh, les couleurs sont superbes, franchement. Alors là je suis je suis conquise. Ah ouais. Ah bah oui, j'avais pas vu. Ok. En fait, il y a les Metallic Green, Blue, plus... Ah oui, donc c'est du bleu. Ok. En fait... Ah bah, j'avais pas compris. Là, par exemple, celui-ci, c'est du bleu avec du métallique vert. Celui-ci, c'est du violet avec du métallique bleu. Et ainsi de suite. En fait, à chaque fois, vous avez le... Là, c'est du vert avec du métallique bleu. Du noir avec du métallique rouge. Du rose avec du métallique rose. Alors, tout est écrit en anglais. Hein, mais grâce à Laurine et à ses cours d'anglais, je me perfectionne. Donc, je peux tout lire. Donc là, c'est de l'or. Là, on a quoi? Du orange avec du jaune métallique. Et là, du gris argenté. Donc, franchement, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Franchement, trop beau. Le prochain colo, je vais pouvoir l'utiliser. Bon, je vous montre quand même, au passage, ça c'est une œuvre de ma fille. Ouais. Trop beau. Donc ça, je vais le plastifier et je pense que je vais m'en servir comme repose-verre pour le travail. Elle a fait ça, elle a fait celui-là aussi. Je suis très fière de ma fille. Ouais. Et elle m'a fait un petit cadeau. Alors, je ne sais pas quoi en faire. Vous voyez, elle m'a fait un pot avec... que des paillettes.
pour que je range. Au début, elle voulait que je range mes petits taille-crayons. Et je pense que c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez des idées de ce que je peux mettre dans ce joli pot que ma fille m'a fait. Vous avez vu un peu? Elle a utilisé des paillettes et tout, qu'elle a vernis. Trop beau. Donc, c'était une petite aparté. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je l'ai reçu hier, le Rita Berman. Alors, en fait, je l'ai eu parce que, alors déjà, parce que ce sont des livres qui ne coûtent pas excessivement cher. Je l'ai eu sur Amazon pour 9,80 €. Mais aussi parce que, en fait, c'est les 4 saisons. Vous me direz pourquoi elle a pris les 4 saisons alors qu'elle a acheté le season et qu'il y a les 4 saisons dedans aussi. Bah parce que en fait j'ai envie. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous le tourne puisque je peux tourner l'écran, mais bon bref. Je voudrais suivre, d'ailleurs je vais le commencer ce soir, le calendrier de l'Avent de Zazou. Et du coup, bah voilà, encore une vidéo qui m'a tenté. Donc ce soir, je vais commencer déjà, je pense, la petite cloche et le petit sucre d'orge. Puisque c'est le numéro 1. Le sucre d'orge, bon, il n'y a pas de numéro, mais bon, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le feuilleter un peu. Je ne sais pas si je vais pouvoir redescendre un peu. Vous allez peut-être mieux voir les dessins. Parce qu'en fait, moi, à part Zazou qui l'a montré, je ne l'avais pas vu. Donc, vous ne l'avez peut-être pas vu. Et je ne l'ai pas beaucoup regardé, du coup. Parce que je l'ai reçu hier. J'adore cette double page. Les jonquilles. Ah oui, donc la période de Pâques, ok. Parce que c'est pas très indiqué. C'est sympa, hein, on peut faire beaucoup de choses. J'aime bien, ça fait un peu comme l'autre, mais bon, après je pense que Rita Berman c'est toujours un peu son style. Oh, j'aime beaucoup celui-ci, toutes les roses et tout. Voilà, avec cette page-là, on peut peut-être même se faire un calendrier de l'Avent. On compte les choses. Et puis, avant nos vacances, se faire un petit calendrier de l'Avent tout seul. Pourquoi pas. Caravane, vacances. Pot de confiture. Les vacances, oh là là, on est 1er décembre, moi je pense déjà aux vacances. Je ne sais même pas si je vais en avoir cette année. Enfin si, je vais forcément en avoir parce que je cumule des jours, mais je sais pas si. Oui, je pense que j'aurai 15 jours au moins. De toute façon, il y a un âge pour tout. Hein. Oh, ouais, faire un an sans vacances, je pense que c'est possible. Après, on va voir comment on va se passer. Oh là là! Ah, ça me fait cette double page, j'ai envie de faire un truc, je visualise un truc des années 70, un truc hyper psychédélique et tout, pas faire que des tournesols jaunes en fait. Il y a des pages comme ça, on les voit et on visualise tout de suite ce qu'on a envie de faire. Enfin, ça me le faisait pas avant, mais de plus en plus ça me le fait en fait. Ouais, ça, je suis moins fan, vous voyez, ça fait vraiment... Ah, ça, c'est bien pour tester les effets hauts. J'adore aussi cette double page. Nuit étoilée, comme ça, d'hiver, la neige sur les toits.
Sympa, hein? Je connaissais pas. Je l'avais jamais vu en fait. J'avais vu beaucoup les autres qui me plaisaient pas plus que ça. Le voyage en Europe, lui, par contre, j'avais craqué directement. Et celui-ci, vraiment, parce que Zazou l'a montré vite fait. Et je me suis dit qu'il avait l'air d'être très beau. Et bah, je ne regrette pas du tout l'achat, en fait. Et les merveilles qu'on peut faire avec les duals métalliques là-dedans, sur un fond noir comme ça. Ça, c'est le Neue von Stein. Ça serait bien en Autriche, ça. Non, il a de très, très beaux colos. Franchement, je regrette pas du tout. Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Mon allemand. Je vais vous donner des cours d'allemand. Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Franchement. Ouais, je suis contente du livre. Bon, hein, je ne vais pas en parler non plus 3 jours dessus. Et donc, j'ai enfin reçu, enfin reçu, enfin reçu celui-ci. Donc, je ne l'ai vu qu'à l'écran par Audrey. Audrey, je ne te félicite pas, hein. Je ne te félicite pas du tout, même. Non, bon, blague à part, en fait, elle m'a. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est une conspiration! C'est une conspiration! On veut pas que je le regarde! On veut pas que je le regarde! Oh, pire! Est-ce que j'ai un ciseau là-dedans? Je m'épuise! Je m'épuise! Eh ben, j'ai même pas de ciseau! Oh, le boulet! Le boulet! Je suis désolée! Hein. Bon, bah, on va essayer de faire avec une règle. J'espère que j'ai pas abîmé mon livre. Voilà. Normalement, on y est. Toujours pas. Oh, le boulet. Ah, ça y est. Sinon, elle fait quoi de ces vidéos? Bah, elle ouvre des paquets. Parce que c'est pour les ouvrir. Vraiment pas doué. Hein. Oh là 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 là. Mes pauvres amis. Comme dirait ma belle-mère, ma pauvre Suzanne. Les expressions. On va mettre ça dans un premier temps pour ne pas l'abîmer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, je ne vais pas rester très longtemps dessus parce que si vous voulez voir vraiment en détail, Audrey a fait toute une vidéo dessus. Oh, les images en couleur, elles sont sublimes. Bon, je ne vais pas faire comme l'allemand. Hein. Je ne vais pas vous lire. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie. En fait, il m'a fait tellement envie quand je l'ai vu, mais je ne suis même pas sûre que je suis capable de colorier. Donc, je ne pense pas que je vais le commencer de suite, celui-ci. Mais il était trop beau. En fait, c'était l'objet colo qui m'a tenté. Et du coup, oh, elle est mimi, cette petite, là, avec ses tresses sur les côtés. Ça fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune, Sandy Jonquille. Une reporter avec deux tresses, je sais pas si vous la connaissiez, je suis peut-être plus vieille que vous, mais elle était reporter, c'était une grande blonde et elle avait deux tresses sur les côtés. Je vraiment pense à ça. Sandy Jonquille. Oh, elle est sublime celle-ci. Oh, le visage.
En fait, ça me fait comme Ivy et le papillon d'encre. Je le trouve super beau et du coup, j'ose pas mettre dedans encore. Donc, à mon avis, celui-ci, ça va être un peu pareil. Tellement beau. J'avais dit que je le ferais pas, mais en fait, c'est plus fort que moi. Je le feuillette quand même avec vous, vous voyez, parce que je l'avais vu qu'à l'écran, mais en fait, de le voir en vrai, c'est encore plus beau. Bon, j'avais pas les cheveux frisés, mais ça me fait penser à moi quand j'étais petite, mon tâche de rousseur. Ouais, j'aurais été un petit peu plus comme ça, vous voyez, coiffée avec les cheveux raides et puis mes petites taches de rousseur. Un petit peu moi. Et mon carré, mon éternel carré que ma mère me faisait toujours. Franchement, c'est un livre, même si je colorie pas dedans, je suis mais tellement contente de l'avoir, il est sublime. Franchement, rien qu'à lui tout seul, c'est... Quand je serai vraiment une très... Une experte en coloriage, je me mettrai dedans. Celle-ci aussi. Je crois qu'il n'y a pas une page que. Bah, franchement, merci Audrey de m'avoir fait la présentation. Je ne regrette pas du tout. Du tout d'avoir acheté ce livre. Alors je l'ai acheté sur Book Depository. Je ne sais pas s'il y en a encore. Hein. J'ai pas regardé. Je l'ai eu pour 18 euros frais de port inclus. Donc honnêtement, pour la beauté ne serait-ce que de l'objet, ça vaut vraiment. Enfin après voilà, j'avoue que je me suis un peu lâchée en ce moment, mais là je vais voilà, je vais me calmer. Il ne me reste plus que celui de. Comment elle s'appelle de. Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée de Amandine qui devrait pas tarder à arriver. Bon, celui-ci, de toute façon, était déjà acheté depuis le 31 octobre, donc ça fait partie des choses déjà prévues. Mais voilà, je pense qu'au niveau de mes. Au niveau de mon matériel, je suis. Pour l'instant, là, j'ai ce qu'il faut. Je me suis fait plaisir. Au niveau du papier, pareil, j'ai acheté, bah, la dernière fois, je vous avais présenté du papier qui était un peu. J'ai pas essayé encore celui-ci. Mais à côté de ça, j'ai aussi acheté du Claire Alpha, puisqu'il était en promo sur Amazon. Il était à 7,32 € et il y a 250 pages. Donc pour mes PDF, c'est pas mal. J'ai beaucoup de PDF en fait que j'ai. Bah, je vous ai jamais montré, mais je pense pas. Bon, j'ai pas tout encore dedans, mais j'ai pas mal de PDF dedans que soit j'ai acheté, soit c'était des freebies. Et j'en ai encore plein. Donc là, j'en ai plein dans mon téléphone, j'en ai plein dans mon ordinateur. Donc dès qu'il y a des propositions sur les groupes Facebook, je les passe. Je les transfère aux responsables des chaînes bah, si ça peut faire plaisir à des personnes. S'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des livres, bah, s'ils peuvent se faire plaisir en coloriant des freebies, moi,
ça ne me retire rien et ça ne me donne que de la joie de partager. Donc, de toute façon, dès que je suis sur un site et que je vois qu'il y a des freebies, je les enregistre. Même si ce n'est pas mon style, il y en a, c'est des trucs, c'est vraiment pas mon style, mais je les enregistre et je les offre aux différents groupes dans lesquels je vais sur Facebook pour faire plaisir. Je pense que vous commencez à me connaître, vous savez que mon maître mot, c'est faire plaisir, donc c'est exactement ce que j'essaye de faire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Vous aurez passé encore un petit moment avec moi. Je pense qu'avant la fin de la semaine, vous aurez ma vidéo des coloriages terminés. Je veux vraiment prendre le temps pour la peaufiner, donc la filmer et la mettre. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu mieux montée que d'habitude. J'espère y arriver. En tout cas, j'essaie de m'améliorer de vidéo en vidéo. J'espère que la chaîne continue de vous plaire. Merci beaucoup aux personnes qui se sont déjà abonnées. Merci de me faire confiance, de me suivre. Franchement, ça me touche de commenter mes vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Et puis, ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et puis appuyer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je fais. Il m'arrive d'en faire, voilà, de temps en temps, quelques-unes petites, histoire de vous accompagner le temps d'un colo. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et avec l'image de mes deux derniers colos, je vous fais bisous, 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 à bientôt!